nous accueillons Raphaël Maillochon du service police-justice de TF1. Bonjour. Bonjour. Raphaël, le procès des viols de Mazan, c'est à Avignon et c'est une journée très importante parce que Gisèle Pélicaud va à nouveau faire face à ses bourreaux aujourd'hui. Oui, elle est attendue à la barre ce mardi, une nouvelle fois, car elle a accepté courageusement de répondre encore aux questions des avocats de la défense, et cela au lendemain des différentes prises de parole de ses enfants. David, Florian et Caroline ont été entendus hier pour la première fois à la barre, une famille anéantie en quête de vérité. Ensemble, ils ont exhorté leur père de répondre à leurs interrogations. Certains de ses enfants ne l'appellent d'ailleurs plus papa, mais géniteur. Monsieur, un face-à-face tendu à l'image de ces quelques mots de David, l'aîné de la fratrie. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Est-ce qu'à l'issue de ce procès, on l'aura ? Probablement pas. Au cœur de ce procès, il y a cette question. Dominique Pélicaud a-t-il abusé de ses propres enfants et même de ses petits-enfants ? David Pélicaud enchaîne à la barre. Si tu as encore un peu d'humanité, je voudrais que tu dises la vérité sur les agissements que tu as eus sur ma sœur qui souffre tous les jours et sur mon fils aussi. Piqué au vif, Dominique Pélicaud se relève de son fauteuil, hausse la voix, nie tout en bloc, rien sur aucun de mes enfants et de mes petits-enfants. Dans la foulée, c'est Florian, 38 ans, qui s'avance à la barre. Il est le plus jeune de la fratrie. Il est le seul à d'ailleurs appeler encore Dominique Pélicaud mon père, alors qu'un doute subsiste encore sur cette paternité, car sa mère aurait eu un amant à l'époque de sa naissance. Il va déclarer à son père « Tu es le diable en personne. Cela fait 4 ans que j'ai perdu mon père et que tes petits-enfants ont perdu leur grand-père. » Et puis, c'est la fille du couple qui est